Aujourd'hui, on est présent au studio de la Radio Nationale à Club des Pins, qui sont des studios consacrés à la libre expression des candidats pour les élections législatives. Ce n'est qu'un message symbolique pour dire que la Radio Nationale, grand média, média, je dirais même ancestral, dans la mémoire des Algériens, ne peut être absent de cette échéance, de ce rendez-vous. Je dirais même plus que la présence de la radio pour faire réussir ce rendez-vous doit être très très forte, énormément forte. Parce que nous, direction de la Radio Nationale, et je pense que l'écrasante majorité des employés de la Radio Nationale, l'écrasante majorité du peuple algérien savent que ce rendez-vous électoral n'est pas un rendez-vous comme les autres, c'est un rendez-vous historique, parce qu'il marquera, il sera le glas d'une toute minorité d'Algériens et de non-Algériens qui versent dans le transitionnel et qui veulent que l'Algérie ne sorte pas la tête de l'eau. Donc c'est un rendez-vous qui marquera, qui séparera cette petite minorité de la grande et de l'écrasante majorité de la radio, du peuple algérien qui veulent que l'Algérie va vers une nouvelle ère, vers un futur plus prospère, où la liberté sera roi, où la démocratie la liberté sera reine, et la démocratie sera reine. Et tellement que c'est fort, tellement que le projet est noble, que la Radio Nationale va mettre tout son poids pour le faire aboutir et réussir. Mm-hmm.